fait quoi pour mériter ça? En fait, c'est quand vous avez commencé à vous entretuer devant l'hôpital. Ah oui, ça c'est pas cool. Ça m'a légèrement contrarié, je dois dire. C'est de la faute des Rolling Seven. C'est eux qui ont buté mon cousin. Oui, toujours faute des autres. Et ainsi de suite. De toute façon, tu sais qu'ils ont accepté une trêve. Tu parles de quoi, là? Bon, je vais utiliser des mots simples. Toi, le chef des Rolling Seven et Monsieur Cage, vous allez discuter. Ensemble. Et les Seven ont dit oui? Oui, absolument. Et je te conseille de faire pareil. Moi, ça passe, je croirais pas du tout. Je suis sûr que Monsieur Cage, la police et moi-même allons devenir ton pire cauchemar. Et c'est quoi le plan? Ce soir, au coucher du soleil, dans le parc. Alors, petit mec, t'as intérêt à venir. Petit mec, tu serais pas du Queens, toi? Amène-toi ce soir. En fait, je crois que Superman est du Queens, hein. Il me semble. Du coup, Victor Total, on va voir les améliorations. Ça, ça fait du point, ça. Ok, donc attends, attaque au sol déjà. Coup de 2. Ah ouais, ça rajoute un petit coup. Merde. Toi, contre une attaque. Les contres, j'utilise pas tant que ça. Ajoute un nouveau coup de coude. Ouais, on va déjà prendre ça. Les attaques aériennes. Ah, attends. Attaque aérienne. Non, il a rien. Frappe de toile. Ah oui, frappe de toile pour lui, c'est hyper important. Quand c'est une frappe de toile en agitant, ouais. Ouais, un numéro d'une attaque de frappe de toile. Quand c'est une frappe de toile en agitant vers la gauche, vers la droite. Et Z, attends. Je comprends pas ce que ça fait de plus. Pas compris. Attaque spéciale. Ah oui, c'est vrai que j'utilise jamais ça. Donc, du coup, on va pas prendre, ça sert à rien pour le moment. Contre une attaque, on s'en fout. Mais déjà, en l'air, ouais. Et en tout cas, vos adversaires à mi-hauteur, ils frappent. Non, pour le moment, ça ira bien. Ah, du coup, on a un nouveau costume que je vous l'avais dit. Et hop, si on sélectionne celui-là, du coup. Et voilà. L'un des nouveaux costumes qu'on peut avoir. Voilà, mon téléphone. Peter, où étais-tu? J'étais si inquiète. Le docteur m'a dit que tu étais à ma recherche. J'ai dû m'occuper de la fusillade qui a éclaté lorsque ton ambulance est arrivée. Et une chose en amenant une autre. Ouais, toujours la même histoire. Et ton bras? Oui, toujours. Comment se fait-il qu'il t'ait déjà laissé sortir? Les miracles de la médecine moderne. Quelques broches en titane, des antidouleurs, et c'est fini. J'ai eu tellement peur ce matin. Des broches en titane, faut dire que tu ne bougeais plus tandis que Venom m'étranglait. C'est peut-être ça l'explication. L'explication de quoi? Du fait que tu te sois transformé en cette chose? Ah, tu l'as vu? Oh oui, je l'ai vu. Dis-moi que ce costume noir n'est plus qu'un mauvais souvenir, Peter. Eh bien, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Mais tu sais le mal que ça te fait. Tu sais à quel point ça te change. Oh, je m'en suis plutôt bien tiré, non? Peut-être que ça sera différent cette fois. J'arrive pas à y croire. Différent? Débarrasse-toi de ça, Peter. Ensuite, nous en reparlerons. Elle a quand même pas tort, hein. Écoute, MJ, Venom est de retour. J'ai l'impression que quelque chose a changé, que le costume est différent. Ah oui? Et moi j'ai l'impression que tout recommence comme avant. Débarrasse-t'en. Ce n'est pas toi. Ne reviens me voir que lorsque tu seras redevenu toi-même. Bon, très bien, je dois y aller. Avec ces deux gangs qui doivent faire la paix, je vais pas m'ennuyer. J'ai largement de quoi m'occuper à Harlem. Donc du coup, en fait, en gros, l'histoire du Règne des Ombres, c'est un petit peu après le 3, on va dire. Enfin, par rapport au film, on va dire. Du coup, il a déjà eu le costume noir et avant c'était différent. C'est ça qu'on va dire dans. On va dire que le costume noir, celui-là, ça c'est le vrai costume noir, celui qui est dans les comics, tout ça, celui qui est complètement pété, qui vient de Venom. Le costume noir dans Superman, donc le film Superman 3, le costume est différent. C'est juste une couche de noir par-dessus son costume. Du coup, il y a toujours les toiles sur son costume, tout ça. Moi je préfère largement celui-là. Hein. Mais du coup, ce sont deux costumes différents par rapport aux comics, ok. J'étais pas au courant. Très bien. Donc, du coup, voilà, donc juste avant que Mary Jane nous appelle, je vous présente le nouveau costume qu'on a débloqué, du coup, avec les parties qui. On va un petit peu voir tout ça. Hop. Alors, Ben Reilly a cru qu'il était. Attends, pendant des années, Ben Reilly a cru qu'il était le véritable Peter Parker, mais un jour il a découvert qu'il n'était. Ah oui, le chacal, c'est vrai. Je m'en souviens, le chacal. En gros, c'est un méchant, on va dire. Dans les comics, ça ressemble à loin aussi quand je les regardais. Il peut, on va dire, créer des clones de gens, donc il en a créé plein. Donc il a aussi créé un clone du coup de Peter Parker. Donc du coup, alors, disposant de tous les pouvoirs et possédant tous les souvenirs de Superman, Ok, Scarlet Spider. Ah oui, Scarlet Spider. Ce costume-là, on l'avait eu dans The Amazing 2, il me semble. Ok, mais là, c'est un petit peu plus détaillé, puis on va dire, il n'y a pas trop de texte. Voilà. Dans The Amazing 2, il y avait trop de texte pour rien. Du coup, il est joli, mais pour le moment,
On va regarder l'ancien. C'était juste pour présenter un petit peu le costume. Hop. On va regarder ceux-là. Après, donc, du coup, on en aura d'autres. Mais il me semblait qu'on avait plus. Peut-être qu'on aura plus après, je sais pas. Je sais plus. C'est pas grave. Donc, du coup, assister à la rencontre. Ouais. Mais c'est. C'est censé être où tout ça? Mission. Attends. Dans le parc, c'est ça? Ouais. Truc du genre. Attends, le parc. Le problème, c'est que le parc, il est où? Il est en bas tout droit et un petit peu vers la gauche. Ok. Ok. C'est parti. Mais du coup, on peut faire que ça. Quoi? Ok, bah ça met un point. Parfait. Parce que je me disais, attends, c'est bizarre qu'ils mettent pas de points, on va dire, de sur la map dans ce jeu. Et là. Oh, level up. Du coup, amélioration. Et on n'a pas beaucoup plus de points que ça. Donc, du coup, tant pis. Hop. Après ça, on va dire, on va faire un petit peu des quêtes secondaires. Enfin, des quêtes optionnelles, ils disent. Ah, une araignée. Non, 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 lâche, lâche. Non, non, l'araignée. L'araignée, l'araignée, l'araignée. Hôtel. Là. On est 26, ok, 24 de plus, ok. Ah, je me souviens qu'à l'époque, moi, je faisais vraiment des journées où je faisais que, on va dire, visiter, fouiller la ville pour choper des araignées. Hein. Oh. On va pas passer autant de temps pour les araignées qu'à l'époque, vous inquiétez pas. Ils sont tous là, ça marche. Ça me présente tellement Cage. Ah, je me souviens de cette scène, je me souviens. Sans araignées, ici. Des méchants. Ah, faut les avoir à la chaîne, je m'en souviens. Voilà, donc là, il commence à avoir des soldats. Hop. Je vous disais qu'à l'époque j'avais tellement galéré pour cette mission, mais là ça m'a plutôt simple. Hop. C'est vrai que le jeu. Merde. Non. Il divise un petit peu pour nous. Tiens. On peut concevoir. Ah oui, c'est vrai qu'on va faire. Hop. Ça n'a pas marché. Mais c'est passé. Merde. Tarasse. Ça va passer, ça va passer. Et le dernier. C'est passé crème, voilà. Et ouais, c'est un complot. Et du coup, faut faire le chemin inverse parce que du coup, ils sont réapparus comme par magie. Normal. Genre, personne n'alerte que je suis là en fait. Hein. Allez, je suis concentré. Ça va passer. Oh, chope-le! Putain, c'est passé! J'avais pas cru. Un peu quand il est trop loin, il passe pas, mais le problème c'est qu'il prévient pas. Il passe. Ça passe. C'est bon. Le dernier. Ah non, c'est passé quand même! C'est juste causé, Kay. Les héros que j'ai rencontrés sont bons qu'à se faire taper dessus. On avait un accord. Je sais ce que j'ai à faire. Et avec ou sans moi, le gang va faire sa fête au Rolling Seven. J'avais dit pas tard. Ah oui, donc du coup on peut choisir soit méchant, soit gentil. Voilà, donc c'est là où on peut choisir. Putain. C'est dans ce moment-là que j'aimerais bien qu'on soit en live pour que vous me disiez un petit peu ce que je dois faire. Putain, à l'époque j'ai choisi quoi? Je pense que j'ai choisi costume noir. Je sais pas si vous préférez qu'on soit gentil ou méchant. Bon, c'est que le début, donc on va choisir gentil pour le début. Et par la suite, on verra bien, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je sois plus méchant ou gentil, on verra bien. Au moins, costume rouge.
On s'est payé ta tête. Tout ce qu'il voulait, c'était vous voir vous entretuer. Et ça a marché. Tu parles d'une histoire. Ouais. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre ça. Si jamais t'as besoin des Rolling Seven, n'hésite pas. Ouais, ouais, pareil pour les parcs avenus. Du coup, maintenant, les gangs sont dans ma poche. Oh, admiration. Laisse l'admiration. L'admiration, pardon. Alors, ajoute un sixième coup. Parfait. Permission de délivrer une rafale de coups. Ouais. Que suis noir. Déjà au sol. Ok, il a rien de plus. Tech murale. Frappe de toile. Ah oui, d'accord. Meilleur rebond de frappe. Ouais. Ça, ouais. Et après, on n'a plus trop de points, donc on verra bien. Du coup, aussi, on a un nouveau costume. C'est de Superman cosmique, donc ça c'est les costumes noirs. Ah non, non, c'est vrai, je suis con. En gros, c'est tous les costumes rouges et puis du coup, il y a un seul costume noir. Ouais. Particulièrement florissant. Je me suis dit que je pouvais commencer mon enquête par le criminel le plus riche de la ville. En l'occurrence, Monsieur Wilson Fisk, alias The Cade. J'avais donc décidé de faire un tour au Fisk Building et de passer voir NJ dans la matinée. Mais bon. Ok, donc du coup je m'étais gouré, hein, dans mes souvenirs je pensais qu'on va dire il y avait... Merde, c'était là. Il y avait, on va dire, tout ici c'est les costumes rouges et là c'est les costumes noirs. Mais en fait non, donc, il y a tout ça de costumes rouges et on va dire c'est que... il n'y a qu'un seul costume noir, voilà. Mais du coup on va quand même prendre les originaux. Par contre on verra bien si après on aura des bons costumes ou pas. Ça mène avec le 2, ok. 50 missions en ville. Ok, récupérer 500 ennemis, attends, 1500 ennemis, ok. 750 araignées, putain, dire que je l'avais. Ou dire que j'avais renfarmé, hein. Je sais pas si un jour on se fera du live, on va dire, où je farme les araignées, parce que faire une vidéo, ça va pas trop faire. Du coup, on va voir le caïd aussi. Hop. Qui était le méchant qu'on avait battu dans Amazing 2. On va le revoir. On le fera sa fête aussi, pareil. Ah, il en a une, parfait. Plus que 20 pour ce niveau 4, putain, on a trop récupéré. Je dis les mecs, il y a trop d'araignées à récupérer. C'est fou. Ninja. Comment il fait pour courir quand même? J'ai jamais compris. On a fait un bref. L'araignée, on chopait l'araignée juste avant. Attends, du coup, on doit aller par où? Par là. Ok. Ah oui, c'est qu'après, il y a le pont aussi. Je sais déjà plus si on peut y aller ou pas. Charge et... Oh! Ok. Pour le moment, c'est un petit saut, mais après, on aura un big saut. Ne vous inquiétez pas. Merde. Caméra foireuse. La caméra, on va dire, est un petit peu foireuse, mais pas aussi foireuse que The Amazing 2. Franchement, là, on va dire, c'est... Ça va. Pour l'époque, franchement, ouais. Puis la map qui se charge. Regardez là-bas. La map qui galère à se charger. Et c'est mal, hein. C'est de la Wii, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. On est sur le bâtiment de Scorp. Là, d'accord, très bien. Franchement. Pourquoi pas, toi?